merci parce que nous sommes toujours fidèles à la télévision Pacifique. Bienvenue dans l'édition Nouvelle Sahara. Mais quelques minutes pour nous développer pour nous. Pendant le journal, il y a un gangster village dédié au connaître son nom Wawa, mouri à plusieurs balles hier sous Delmar. Ces individus n'ont pas arrivé à identifier qui t'a tiré sous lui. Organisation non gouvernementale Médecins sans frontières MSF a dénoncé Zaka violence à Caminas individu examen a fait sous personnel lio à malade yo depuis quelques mois. Ces conditions sécurité pas réunies, MSF a déclaré la difficile pour continuer la population en service surtout dans une série zone dans pays. Acteur politique yo sous deuxième journée rencontre yo sous crise là dans local annonciati apostolique là sous l'obédience comité haïtien initiative patriotique CHIP qui soutient bureau intégré Nations Unies BINU et puis organisation état américain OEA. Activiste politique Abel Leriston dénoncé une fois encore mauvaise situation sociopolitique et économique à pays a fait face depuis quelques temps. La vie a vini plus cher, chômage là augmenté et puis dollar américain toujours bien gros par rapport à Goudla. La cause gain plus mise dans pays d'après militants en politique là. Militant politique Edouard Saint-Fleur dit pas d'accord avec l'idée, c'est opération pays loc là qui la cause insécurité a pas fait victime comme ça dans le pays d'Haïti. D'après lui, façon dirigeant yo a pas mené pays a depuis 1986 créé insécurité a qui prend pied progressivement dans en société a. L'actualité internationale là, 170 monde déjà mouri dans l'épidémie coronavirus là dans pays la Chine après américain ak japonais yo c'est français yo cap couri quitter ville Wuhan à côté épidémie li même li commencé. Autorité au nan à Mexique a découvert 292 migrants qui sont en Amérique centrale là dans des camions dans état à Chiapas dans sud pays. Mesdames et messieurs, tu branché télé Pacifique, tu vas camper l'autre pour développer qu'on y a. Si vous voulez assurer vie, vous ne pouvez pas nous gâter de tout. Si vous ne pouvez pas nous. En général, les gens ne parlent pas prendre assurance. Ils considèrent que son l'argent est jeté. Et pourtant, l'argent assurance est dans le budget ou à côté de l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser son mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avez comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Il y a assurance de ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si vous pas de jambes connaissez. Il y a assurance à prêter à faire au bout du jour, continuez à vivre la vie, quittez ce coup-là dans le même. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames et messieurs dans développement journal là. J'ai annoncé l'antitio yon gangster village dédié au connaît sous nom Wawa mouri à plusieurs balles hier sous Delmar. Cet individu moun n'a pas identifié qui t'a tiré sous lit, moun t'a pas gardé image bandia qui t'a pas baigné dans sang après zak assassinat ça. L'autre nouvelle organisation non gouvernementale Médecins sans frontières MSF dénonce zak violence ak menace individu à Kaza m'a fait sous personnel lié à la maladie depuis quelques mois, responsable MSF dit que ce n'est pas eux-mêmes seulement qui sont victimes de situations, mais ça empêche de mener activité et puis bah, la population. Service dans un contexte difficile, si là, individu ça a entré dans cette santé organisation ou bien veiller les ambulances à passer pour agresser les responsables déclarés Gemoun. Tout à qui qu'on a envie de demander yo job qui fait agression verbale sur yo MSF rappelé la base service dans pays d'Haïti depuis 30 l'année li mandé à tout acte yo quel qu'il soit dans kan yo ye pour respecter et puis protéger membres personnel local ak matériel institution ensemble ak l'autre l'hôpital yo si conditions sécurité yo pareil ni bien MSF dit la difficile pour lui capable à continuer bay moun service spécialement timon femme enceinte ak blessé dans une série côté dans pays a joint service d'après un communiqué responsable MSF yo pour Haïti Hassan Issa mettez d'ailleurs qui pote date 29 janvier passé.
L'autre nouvelle, acteur politique yo sous deuxième journée rencontre yo sous crise là dans le local annonciatif apostolique là sous l'obédience comité haïtien initiative patriotique chip avec soutien bureau intégré Nations Unies BINU et puis organisation état américain qui c'est OEA d'après dirigeant parti Unifos là Paul Denis déclaré eh bien premier journée hein, bien passé côté gagné trois propositions qui sous table là participant yo a pas discuté entre yo dans l'idée pour capable arriver choisir Yon nan yo, ancien sénateur bat pat pleuve le pays. Aucun détail sous trois propositions sa yo, Paul Denis, t'es invité par Sik Martin en suivre. Nous commençons les négociations, nous avons une atmosphère de convivialité, respect yon boulot. Et à ce stade, côté nous yon a gagné trois propositions ben, qui sous table là. Mm-hmm. Je tiens à mon avis, yon a beaucoup plus précis. Toutes propositions sous table là, nous allons discuter, nous allons parler de. Méthodologie, parce que c'est dans l'après-midi, une proposition est tombée vers la fin de la réunion. C'est Jodia, une d'accord sur la méthodologie, comment on va avancer. Yon autre côté, Paul Denis critiqué décision membre opposition radicale là qui dit au papa négocier avec le président République là, Jovenel Moïse, pour joindre une solution dans la crise là. Ancien ministre là, remandé opposant ça yo pour yon prendre. Conscience, c'est pour yo capable de prendre chemin de dialogue pour permettre à pays à li débloquer. Bon côté par le militant politique Edouard Saint-Fleur dit pas d'accord avec l'idée ces opérations pays loc là qui la cause insécurité a pas fait victime comme ça dans pays a d'après lui façon dirigeant yo a mené pays a depuis 1986 ça créé insécurité a qui prend pied progressivement dans société activiste la parler de gaspillage l'argent qui était là pour reconstruire pays a l'argent programme Petro-Caribéa qui contribuait tout à créer violence dans un pays a Edouard Saint-Fleur dans micro Josué Pierre-Paul avec David Mercius. Nous voulons jeter tout le monde qui t'a fait croire que c'est pays loclan qui cause question insécurité d'État qui a ravagé la population. C'est pays loclan qui cause et kidnapping d'État, donc qui a chassé tout jeune entrepreneur. C'est pays loclan qui fait. Nous disons que c'est faux. Et pas oublier, avant même pays loclan, tu as gagné aux environs 13 milliards de dollars qui c'est comme c'est IRH. Donc, qui te gagote dans le pays, hein? Bon groupe de jeunes femmes avec jeunes garçons qui dit que yo représente nous dans l'État, yo gagote comme ça. Yo va investir dans l'agriculture. Yo va investir dans l'économie pays. Hein? Et après ça, vingé aux environs plus de 4 milliards de dollars qui gagote en Haïti. Donc, qui se comme Petro-Caribéa qui était là pour faire développement en dans pays. Hein? Donc, tout comme ça, yo gagote. Donc, je vous dis, hein? Tout le monde qui a dit que c'est pays loclan qui crase l'économie pays d'Haïti, donc c'est des malfaiteurs qui sont des méchants. Donc je vous dis, situation économique précaire, désastreuse que nous avons vu aujourd'hui là, c'est le résultat d'un ensemble de faux dirigeants que nous avons gagnés dans notre pays depuis les 30 dernières années, donc qui n'ont pas réglé rien pour le pays d'Haïti, donc qui cause une situation économique désastreuse aujourd'hui là. Et l'autre côté opposant politique là, parler des systèmes là, yo doit changer pour capable améliorer conditions majorité moun nan population à vivre d'après Edouard Saint-Fleur, yon démarche comme ça pas facile la cause résistance yon ti groupe moun qui a toujours a pas bénéficié de toute richesse pays a rendue. La bataille systémique que nous inscrit nous aujourd'hui, hein? Bataille ça son bataille pour que nous rejeter toute vie politique traditionnelle. Donc, quand craser l'économie paysan, qui croit que c'est dans les âmes pour la jeunesse, donc il faut nous jeter moun sa yo, pour nous venir avec un nouveau leadership éclairé, mais qui peut gagner des nouvelles têtes, qui peut repenser le pays d'Haïti sous les plans économiques, social et politiques, et bien pour que les âmes pour moun yo déposer les âmes, mais pour nous bailler la technologie, pour nous bailler le cahier, pour nous bailler la plume, pour nous bailler bon jeune l'école, et bien pour que. Nous avons un pays côté tout le monde qui vit dans le monde, dans la paix, dans la sérénité, dans la dignité. Bon, on arrive pour nous faire couper une actualité internationale là. Nous parlons directement dans le pays, la Chine. Eh bien, il y a 170 personnes qui sont déjà morts dans l'épidémie coronavirus là. Dans le pays, la Chine, après Américain, avec Japonais, eh bien, c'est Français qui ont parcouru quitter. Ville Wuhan côté épidémie lui-même il commencé virus là bah il y a pneumonie problème pour monde capable respirer normalement organisation mondiale
la santé OMS mandé le monde entier pour réagir face à ce nouveau coronavirus là. OMS a réuni jeudi à même pour capable connaître si épidémie c'est une urgence santé publique internationale. Matin, autorité pays la Chenyo a déclaré qu'il y a 38 autres monde qui mouri hier, ça fait quantité victimes arrivé d'environ 170 d'après ça Radio Canada lui-même lui est partagé. Autorité en pays Mexique a découvert 292 migrants qui sont en Amérique centrale là dans deux camions dans l'État Chiapas dans le sud pays. Chaque clandestin sa yo, eh bien, payé un réseau 100 000 pesos qui représentait 6 000 dollars américains pour capable faire voyage ça, capable bout sous frontière Mexique ak États-Unis. Responsable jeune migrant sa yo dans zone qui rele Berrio Zabal qui situé li nan yon distance à 20 km capitale la Chiapas la qui c'est Tuxtla Gutierrez toujours frontière Guatemala yon nan machine yo te gagné 162 moun 112 garçons 13 femmes avec 31 timoun qui sorti nan pays Guatemala, Honduras, Salvador ak Nicaragua nan l'autre camion te gagné 130 l'autre migrants 5 garçons 11 femmes avec 19 timoun yo tout assez guatemaltèque faut qu'on dit la police arrêté des chauffeurs camion yo et puis remettre passagers yo bay autorité mi grat royo. Mesdames et messieurs, la mettez bout dans journal ça pour aujourd'hui. Merci à vous même qui t'ai choisi télévision Pacifique pour informer ou pas bio capable continuer suivre nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ak radio télévision pacifique.com. Restez avec nous pour capable suivre reste programmation.